une fausse note. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est encore plus merveilleux quand vous en faites, quand vous êtes musicien à l'église et que là vous faites une fausse note et que vous dites « Ah, tout le monde va s'en rendre compte. » Mais savez-vous qu'il existe un secret? Il y a moyen de rattraper vos fausses notes, réellement. Et donc, il y a moyen que les gens apprécient même votre fausse note. Parce qu'en fait, ils ne sont pas au courant que vous avez fait une fausse note. Pourquoi? Parce que vous l'avez rattrapée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui suivent la chaîne, bonjour à tous et bienvenue sur Piano Louange. Je suis Steven. Et aujourd'hui, donc, on va apprendre une toute petite leçon. Ça ne sera pas trop long, mais je voulais quand même la faire parce que c'est plusieurs demandes de votre part. Ça, je fais des fausses notes, je fais des fausses notes. Ok, d'accord, mais sache qu'il y a moyen de les rattraper. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment rattraper donc ces fausses notes? Prenons un chant que moi je connais. Alors, pour bien que ça vous rentre dans la tête, la mélodie du chant, on va la chanter. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Ok, donc là vous avez la mélodie. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ok. Mes lendemains sont assurés. Okay. Donc voilà, on va se concentrer que sur ça. On va pas faire le reste de la musique. Ça, c'est la mélodie. Ok. Maintenant, imaginez vous faites une fausse note là, d'accord? Imaginez en fait c'est un nouveau chant que le chant vous donne à l'église, si vous êtes musicien d'église ou non, hein, peu importe, c'est juste une leçon pour vous, et que vous jouez la mélodie. Alors, voilà en général comment ça se passe quand on joue une nouvelle mélodie et qu'on la cherche un peu avec le piano. Ça se passe comme ça dans nos pensées. Vous me dites ça en commentaire si c'est vrai. J'ai trouvé. C'est un peu comme ça. On tape, et bon, j'exagère un peu, mais dans notre tête, on fait « Ok, c'est bien. Ok, ça va, c'est bien. » Mais, il peut arriver aussi où ça fait « Mes lendemains sont assurés. » Et là, vous faites l'erreur, au lieu de faire justement l'erreur de faire fausse note. Et ben comment rattraper ça? Au lieu de faire, vous avez fait, et là vous vous dites, oh, tout le monde a entendu, c'est mort. Et ben non, parce que si vous rattrapez cette fausse note et que vous faites, personne n'en s'est rendu compte, personne s'est rendu compte de votre fausse note là. On est d'accord? À dire que c'était pas la mélodie, mais c'est bon, ça va avec. Et c'est comme ça que vous rattraperez vos fausses notes à l'église, chez vous, ou peu importe, dans une réunion de prière, c'est en comblant votre fausse note. Faire en sorte que votre fausse note devienne une bonne mélodie quand même, d'accord? J'aurais pu même faire, alors j'aurais pu pas me tromper ici, mais me tromper sur la dernière note, au lieu de faire, j'aurais pu faire. Et là, vous dites, oui, non, mais attends, frère Steven, là, par contre, c'est irrécupérable.
Je veux dire de passer de à. C'est irrécupérable. Eh ben si, c'est possible de la récupérer. Parce que normalement, la mélodie, c'est... Vous, vous vous êtes trompé. Donc, vous faites... Et ben voilà. Ben là, là, on se dit, bon, en fait, ouais. Pourquoi pas. Et donc, on passe d'un... à un... Ok, ça va. D'accord? Et vous pouvez faire ça dans beaucoup de chants. Si vous faites une note, vous êtes en train de chercher votre mélodie et vous faites... Ça va, on rattrape. D'accord? C'est très important d'être comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants sur Piano Louange et que parfois vous vous braquez quand vous faites des fausses notes. Vous vous dites, mais non, mais servez-vous de vos défauts. Si vous faites une mauvaise note, transformez-la en une mélodie. D'accord? Rattrapez le coup. Ok? Donc voilà, donc en fait c'est tout. C'était juste un petit cours aujourd'hui, c'est vrai, c'était un petit cours. Mais voilà, je trouvais important quand même parce que des fausses notes on en fait tous, mais on peut tous les rattraper. D'accord? Donc voilà, écoutez, moi c'était mon dernier cours pour cette année. Voilà, donc sachez que c'était un plaisir de vous faire ces quelques cours que je vous ai fait quand même cette année. Et c'est un plaisir de toute manière pour tous les profs ici. Voilà, donc on se revoit l'année prochaine. Les cours continuent, bien sûr, hein, Ivan, Yuri, Anthony, etc. Continuent les cours. Moi, c'était juste mon dernier pour cette année. Donc, les cours continuent. C'était vraiment un plaisir de vous servir cette année. Et Dieu voulant, en 2020, on se revoit pour d'autres cours et pour le meilleur de notre évolution au piano, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.